Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu veille sur vous. Vraiment, je ne sais pas par où commencer, parce que dans cette vidéo, il y a deux mauvaises nouvelles. La première nouvelle concerne un homme et sa femme là-bas, et la deuxième nouvelle concerne la police et des jeunes tueurs. Vraiment, ce monde n'est pas un paradis. Ce monde va vraiment mal. Attachez vos ceintures et soyez prêts, mes frères et sœurs. Parce que ce que l'on entend ici, c'est vraiment Dieu. L'homme qui est là-bas, il a tué sa femme. Il a tuer sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon l'information que j'ai reçue, on nous dit qu'il y a un problème qui est né entre lui et sa femme. Et à cause de ce problème, sa femme a dit qu'elle le quitte et qu'elle demande en même temps le divorce. Elle dit qu'elle veut divorcer. Elle a quitté sa maison et elle est retournée chez ses parents. Quel problème peut pousser une femme à quitter son mari, même à demander le divorce passage, sachant qu'elle-même, elle a 26 ans. Vous-même imaginez la suite. Maintenant, la femme, elle a quitté, elle est arrivée chez ses parents. Et lui, un beau jour, il va chez les parents de la fille, en fait, de sa femme. Il la trouve là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'étrangle. En fait, il la tue. Je ne vais pas entrer dans les détails. Pendant qu'elle était en train de crier, là, les voisins sont sortis. Et ils sont venus trouver ça. Et le monsieur a pris la fuite. La femme était déjà décédée. Hey! Hey! Voici ce qui se passe aujourd'hui. Cette fois-ci, on entend de mauvaises nouvelles sur le couple. On entend vraiment trop de mauvaises nouvelles dans les mariages aujourd'hui. Cette fois-ci, cette fois-ci. Il n'y a pas longtemps, il a fait une vidéo où je vous ai parlé de d'une femme qui a appris que son mari, c'est un homme d'affaires très puissant, son pays la trompe. Donc, elle a appris que son mari la trompe avec une petite fille là-dedans. Et elle et sa soeur ont décidé de l'empoisonner. Le temps est mort. Aujourd'hui, regardez. Là, ce n'est pas une femme qui empoisonne son mari. C'est une femme qui demande le divorce, elle va chez ses parents, et le mari a l'audace de venir jusqu'à chez ses parents pour la tuer. Je suis vraiment choqué. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé ce mois, hein? Ce mois, le 6, là, le 6 août. Ce mois. Alors que le mois ne vient que commencer. Aujourd'hui, nous sommes le 10 août. Vraiment. Avant d'épouser un homme, mes frères et soeurs, surtout mes soeurs, mes frères et soeurs, tout le monde même. Vraiment, faites attention. Dans les trois vidéos précédentes, j'ai pris mon temps pour vous expliquer que dans ce monde, il y a des zombies. Et la plupart des gens sont entourés de zombies, mais ils l'ignorent. Je pense que cette vidéo vient pour confirmer ce que je vous ai raconté. Comme quoi, on ne raconte pas les histoires ici sur ce monde. Là, on a fini avec la première information. Dans cette nouvelle qui est ici, là où vous voyez le policier, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ces policiers ici ont à nous parler et à nous raconter ce qui s'est passé. Par en anglais, j'essaie de faire la traduction, mais ce qu'il va dire, c'est le résultat de ces enquêtes, c'est le résultat de ce qu'ils ont vient de recevoir, ce qu'ils viennent de découvrir. Ils ont découvert que des gens ont tué des jeunes gens.
de 25 ans ont tué une femme de 50 ans. Lorsqu'ils l'ont tué, moi aussi, ils ont enlevé ses yeux. Ils ont enlevé sa partie privée. Est-ce que vous voyez de quoi il parle? Ils ont coupé son sexe, le sexe d'une femme, ils ont coupé son sexe. Et ils l'ont fait parce que ils devaient vendre cela à 100 000 francs. Mais ils n'ont reçu que 50 000 francs. Seigneur Jésus, juste pour 100 000 francs, tuer quelqu'un, ôter la vie à une personne. Ah! Donc, l'homme est devenu une viande. Une viande qu'on peut commercialiser. Et c'est pourquoi? C'est pour des rituels. Ah! Ils ont tué une femme pour vendre son corps à 5 000 francs pour des rituels. Nous allons écouter le rapport de la police. Écoutons. Expert confirms the killing of the missing woman, Mrs. Patience Komore, in connivance with one Akogene shoemaker who is now at large. After raping her, they killed her with machetes, remove her two eyes, and also remove her private parts and sold it for a sum of 100,000 naira. Voilà. Vous avez entendu, hein? C'est pas moi qui ai parlé, hein? Écoutez bien encore pour ceux qui comprennent l'anglais. Faites la traduction. Ceux qui comprennent bien l'anglais, faites la traduction dans la description. En fait, dans la partie commentaire, faites la traduction. Expert confess to the killing of the missing woman, Mrs. Patience Komore, in connivance with one Akogene shoemaker, who is now at large. After raping her, they killed her with machetes, remove her two eyes. Ok, il dit que quand ils ont attrapé la femme, quand ils l'ont kidnappé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué la femme avec une machette. Ils ont enlevé ses deux yeux. And also remove her private part. Et ils ont enlevé sa partie privée. And sold it for a sum of 100,000 naira. Et ils ont vendu sa pour une somme de 100 000 naira. C'est comme si on va dire 100 000 francs. Vous voyez là? 100 000 francs, ça fait combien d'euros? Ça fait, je pense, 155 euros. Hein? En tout cas, moins de 200 euros. Supposons que c'est 200 euros. Donc, aujourd'hui, pour 200 euros, on peut juste tuer quelqu'un comme ça. Et la chose la plus grave, c'est que là-bas même, souvent, même pour 10 000 fois, les gens tuent quelqu'un. Juste pour enlever quelque chose sur la personne. Et ce qui est dingue, ce qui est étrange, c'est que la police même a mené des investigations et a découvert beaucoup de choses. C'est-à-dire les gens qui ont interpellé là. On te voit les deux cas qui sont dans cette affaire. Et la police a découvert que ces gens-là avaient des armes, des machettes et plein d'autres armes encore. Tout ça pour pouvoir faire quoi? Mener les opérations en toute tranquillité. Seigneur, vraiment, vraiment le monde, ce monde-ci, ce monde-là. C'est pas un bon monde. Que Dieu protège nos enfants. Que Dieu veille sur nous. Et nous-mêmes faisons attention à là où nous mettons les pieds. Ma soeur, si tu veux te marier, ne sois pas trop pressé. Prie ton Dieu. Et que Dieu te donne un bon mari. Mon frère, si tu veux te marier, ne sois pas trop pressé aussi. Prie ton Dieu. Et que Dieu te donne une bonne femme. Parce que dans tous les cas, vraiment, ça peut tourner mal un moment. Moi, quand je sors, je vois là dehors beaucoup de sorcières, beaucoup de sorciers. C'est comme hier, j'ai vu une fille, elle me plaisait. Je l'ai vue, je la suivais.
Je l'ai suivi jusqu'à ce que je l'ai suivi. Je l'ai suivi jusqu'à ce que je l'ai suivi. À un moment donné, l'esprit a dit, tu l'as su parce que tes yeux l'ont vu et ont vu son corps. Peut-être quelque chose sur elle qui t'attire. Mais ce qui va te retenir, là, c'est le fait qu'elle soit sorcière ou pas. Parce que si tu découvres, là, à la fin, qu'elle est une sorcière, tu vas détester tout ce que tu as aimé. C'est-à-dire tout ce que tu as aimé sur son corps, là. Tout ce que tu as vu sur elle et que tu as aimé, là. Tu vas détester cela quand tu vas découvrir qu'elle est une sorcière. Parce qu'une sorcière, là, on ne fait rien avec elle. Ce sont des femmes comme ça qui sont capables de tuer le mari, tuer les gens, faire du mal aux gens, même si vous ne les avez rien fait. Elles vont vous attaquer quand même. Et c'est vice versa. Voici la réalité. Quand je suis arrivé, quand je l'ai supplié que je suis arrivé à un endroit bien précis, je n'ai même pas tardé à découvrir qu'elle est une sorcière. Alors qu'elle est belle, hein? Jolie, claire, attirante, séduisante, agréable, mais le diable qui est en elle n'est pas agréable. Mais le diable qui la possède n'est pas attirant. J'ai dû la laisser et je continue mon chemin. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, ça ce serait encore l'erreur de ma vie, l'erreur de ma vie. J'étais en face d'une sorcière. Voici la réalité de la vie. Vous les hommes, si vous aimez les femmes, c'est bien. Mais il y a plus de sorcières femmes que ce que vous pouvez l'imaginer. J'ai dit que là, Dieu, là, si toi seul, tu te mets au carrefour et puis tu breaks sans fille, ou bien sans femme, sur les saints, tu ne vas même pas trouver une parmi elles qui n'a pas la sorcellerie. C'est-à-dire toutes les filles-là, elles sont différentes physiquement, mais en esprit, elles sont égales. Ces filles-là, elles sont égales. Elles ont le même esprit. Elles ont le même esprit. Elles sont guidées par le même maître. C'est-à-dire par le même patron, par le diable lui-même. C'est comme une équipe de football du Satan. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez vigilants. Le monde va mal. Le monde va de plus en plus mal. Vraiment, que Dieu veille sur vous et vos enfants. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti.